Il y a 28 heures, on était un petit peu découragé parce qu'on a presque touché le record du monde. Mais on a réappris la définition du mot « équipe ». On a rentré ça d'un puits, tout le monde s'est mis à l'œuvre. Ça a été un succès d'équipe incroyable. C'était des abeilles. On a remplacé le moteur, tout le monde a fait sa part, que ce soit pour aller chercher à manger, aller chercher de l'eau, s'occuper que personne ne manque de rien. Tout le monde s'est mis à veiller les uns sur les autres. Puis on a accompli presque l'impossible. Aujourd'hui, on a connu une journée totalement incroyable qui commence avec Nathalie Roy, la première Québécoise, peut-être la première Canadienne à piloter à Bonneville, qui s'était mis un objectif personnel de rouler sa moto à 200 km/h. Bien, non seulement elle a roulé 200, mais elle a roulé 232 à son premier essai. Ça m'a tellement fait chaud au cœur parce que je savais que Nathalie, c'était, elle avait pris goût à ça quand elle nous a accompagnés lors de voyages précédents. Fait qu'aujourd'hui, on peut dire que Nathalie est une vraie G-Force. Puis Patrick, aujourd'hui, il nous avait épaté hier, avant que le moteur brise, avec un pilotage exceptionnel, a changé les vitesses, que ça ne voulait pas rentrer tout seul, puis tout. Il avait récupéré la moto de toute façon, mais le moteur a brisé. Mais suite à ces efforts-là, toute l'équipe a voulu bien faire. Puis c'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, Patrick, il a encore accompli un pilotage incroyable. Il y a une run à 208 000 à l'heure. C'était du jamais vu. C'est la run la plus vite jamais effectuée sur les salt flats par un 600cc. Peu importe la fédération. Il fallait reconfirmer ça. Mais à la run de retour, un vent latéral a empêché de répéter une aussi bonne performance. Mais même à ça, 208 pour monter, 201 pour revenir, ce qui met le record à 204 000 à l'heure. Pour une 600cc, c'est exceptionnel. Fait que dire de plus? Le résumé est simple, c'est équipe.